L'endroit, ah ouais, j'avais dit que j'avais cassé les mythes. Oh, plus à l'ouest de France, c'est la pointe du Port-Seine qui est tout au nord et la pointe Saint-Mathieu qu'on aperçoit là-bas. Et en troisième position, c'est la pointe du Raz. Seulement, c'est toutes petites aventures dans la mer. Elles n'ont pas sorti dans le fin du monde qu'on a ici, avec cet écran rocheux là, justement. Il a ce sentiment là. Alors, pourquoi il y a des courants ici? La pointe du Raz, les ponts rochers que vous voyez là, ils ne s'arrêtent pas là. Ils continuent sous l'eau pour aller bien plus loin que l'île de Sein. Et les ponts rocheux sous-marins entre le bout de la pointe et le Sein, les ponts rochers sous-marins remontent. Donc créent une retenue d'eau, une barrière d'eau sous-marine. Donc l'intensité des courants va dépendre là uniquement du volume d'eau qui va transiter. Donc du coefficient de la marée. Or là, je crois qu'elle va être haute à 19h, ce qui est sûr c'est qu'on est en train de monter. Donc c'est en fait que c'est en train, plus on parle, plus on est en train de s'accentuer derrière. Vous voyez, parce que ben, la marée commence à vouloir aller, à se retourner de plus en plus. Donc ce qui fait, ça arrive également,